à lui. T'inquiète pas, on est de la résistance. Ah ! Mais je te dis qu'on est de la résistance. Tu vas te calmer, ouais? Bon. On n'a plus beaucoup de temps. Change-toi et on t'expliquera plus tard. Vous êtes qui? Grégoire. Luc. Paul. Pierre. Hugo. Jean-Marc. Le loup. Le loup. Désolé, mais j'ai jamais entendu parler de vous. On est la voix de l'opposition dans un monde où le silence devient roi. Nous combattons l'oppression, la tyrannie et l'injustice dans un pays gorgé de mensonges et d'avidité. Terroriste? Non, résistant. Sans résistance, comment la peinture pourrait-elle tenir sur une toile? Comment la musique pourrait-elle nous atteindre si l'atmosphère elle-même n'avait pas le courage de résister? Sans résistance, on n'aurait pas le plaisir de se toucher. Pas de stimulation, pas de conception. Un monde sans résistance, ce serait un monde sans amour, sans culture, statique, mort. En tant que résistant, nous défendons la raison d'être de l'humanité. Sa liberté. La liberté, c'est bien le concept le plus incompris. Qui est vraiment libre? Piégé dans ce monde, confiné dans cet univers, en suivant notre propre mort, nous sommes condamnés à vivre. Même le suicide est un pouvoir illusoire. Nous ne sommes jamais libres. Nous résistons parce que nous n'avons pas le choix. C'est dans l'ordre des choses. C'est comme si on voulait séparer l'eau de la pluie, la passion de l'amour. C'est dans la nature, j'ai trop du français de résister. Bien, on doit y aller. Mais je ne suis pas français. Vraiment? Tu le parles très bien, pourtant. Je ne sais pas même un mot. Riva.